alors que des milliers de Niçois, hommes, femmes, enfants, étaient venus admirer le feu d'artifice sur la promenade des Anglais, un acte terroriste est venu plonger notre territoire, notre capitale départementale, dans le cauchemar et l'horreur. Vous avez tous suivi cette actualité et comme nous, vous avez ressenti un profond sentiment d'injustice et de tristesse à l'égard de ces victimes innocentes qui étaient venues partager la fête d'un symbole de liberté, venues admirer ces lumières dans le ciel, lumières de joie, de respect pour la démocratie que la France a su réaliser et préserver à travers les siècles et par-delà les idéologies autoritaires, quelles qu'elles soient. En cette période de célébration de notre fête Saint-Érige, nous nous sommes interrogés pour savoir ce qu'il fallait faire et quelle attitude adopter devant cette situation tragique. Avec mon équipe et le comité des fêtes, il nous est apparu évident que toute manifestation festive aujourd'hui ne pouvait être organisée. En revanche, nous avons souhaité exprimer notre hommage aux victimes de cet attentat et s'associer à la douleur de leurs familles, de leurs proches. Et c'est dans cet esprit de communion et de solidarité que nous sommes réunis ce soir. Devant une telle cruauté, seule notre volonté de rassemblement et notre détermination à vivre ensemble, dans le plus grand respect des libertés individuelles et collectives que nos ancêtres ont bâties pour notre bonheur, seules ces valeurs pourront vaincre la barbarie et la violence. En communion avec le Père Magnin, que je remercie de sa présence et de sa prière dans quelques instants, je vous inviterai à respecter une minute de silence, puis entonner d'une part notre hymne national et enfin terminer cette cérémonie par notre hymne de la ville de Nice, Nice à la Belle. Je vous remercie de votre présence et je souhaite vous témoigner toute ma reconnaissance. Merci. Sinon, un temps de recueillement face aux victimes de l'attaque meurtrière de Nice. La violence calculée et préméditée, la haine de l'autre, la barbarie, ont porté et donné la mort hier à Nice, à nos portes. Et c'est un homme qui en a été l'auteur. Qu'y avait-il dans le cœur de cet homme pour qu'il soit ainsi porteur de mort? En ces moments tragiques, nous sommes invités à ne pas nous replier sur nous-mêmes, à nous enfermer dans la discrimination ou la haine. Et nous pouvons souhaiter et prier pour que personne ne reste dans la solitude d'un moment si horrible. Ne gardons pas pour nous ce qui pourrait devenir de la violence ou de la haine. Cet homme-là ne peut pas réussir à susciter en nous ce qui a été dans son cœur. Cela ne peut pas être possible, ou bien le terrorisme aurait alors gagné. Que la proximité, le respect, la bienveillance que nous pouvons nous manifester les uns envers les autres soit à la fois notre soutien et notre espérance. Alors pour les familles aujourd'hui en deuil, pour les personnes blessées, atteintes dans leur chair, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Viva, viva, Nice à la belle, oh la mia bella Nice, regina dei flu, tutta bianita Ulissa, io canterai tu giù, canterai lì montagna, Lugio d'Enrique Décor, Lugio verti campagna, Lugio grand soleil d'or. Tu giugno canterai, sul dalle tietonella, la giubar d'azur, Lugio ciel pur, et tu giugni ritornella, viva, viva, Nice la bella. Et comme ça se fait dans notre pays, on va applaudir nos victimes. Je vous remercie très sincèrement de votre présence nombreuse qui montre ô combien nous sommes tous solidaires et unis devant cette épreuve. Donc merci à vous tous et je voulais vous dire que nous avons laissé la chapelle ouverte si certains d'entre vous veulent se recueillir. Voilà, je vous remercie encore de votre présence. Merci beaucoup.